위험을 감지한 듯 다급하게 움직이는 프랑스의 회생늑대. 트럭들의 소리가 가까워지자 잠을 자고 있던 새끼들을 깨우고 숲을 벗어나는 어미의 빠른 발걸음을 한 녀석이 놓쳤다는 걸 아빠 늑대가 알게 되죠. 혼자가 된 녀석이 방황하는 이 숲을 아빠와 함께 지나고 있는 이 소녀의 이름은 빅토리아입니다. Ça va, ma chérie? T'as pas mal au cœur? 잘 나가던 의사로서의 경력을 포기하고 한적한 시골 마을로 이사 온 건 엄마를 잃고 마음의 병을 얻은 딸 빅토리아 때문이었죠. Réfléchis à ce que tu veux et puis tu me fais une liste. Chocolat, compote. 한 달이 넘게 굳게 다친 아이의 입을 다시 열게 할 방법은 몰랐지만 몸을 움직이게 할 방법은 알고 있는 아빠. Moi je vais aller me promener parce que j'ai besoin de prendre l'air. Ici dans cette grande maison, tu fais comme tu veux. Je préfère que tu viennes avec moi mais si tu veux pas, tu fais comme tu veux. 엄마의 품이 그리운 아이의 상처를 치료하기 위해 대자연의 기운을 빌리려 해보지만 평생을 병원에서만 지내온 아빠 스테파는 산과 친하지가 않았죠. Je vois quelqu'un. Merci. C'est bien, hein? Ah oui. Ça vous plaît? Ah oui, oui, beaucoup. Y a pas un endroit où je peux me laver les mains sans abuser? 깊은 산속 마구간 지기의 집에서 자신처럼 엄마 없이 혼자 잠든 귀여운 녀석을 발견하고 한 달 만에 입을 여는 빅토리아. Comment il s'appelle? Mystère. C'est un animal très particulier, tu sais. Tiens, c'est un cadeau de la forêt. 가방 속에 숨겨 데운 미스테르가 불편할까 봐 집에 도착하자마자 방으로 달려갑니다. Moi, t'aimes pas être dans le sac, toi. Hop là. Victoria! Descends! Qu'est-ce que tu fais? Victoria! Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Tu viens manger? Allez, allez, allez. 산행으로 모두 녹초가 돼 일찍 잠이 든 다음날 아침. 굳게 닫힌 입을 다시 연 아이의 모습에 너무 기쁜 아빠와 미스테리의 뒤치다 거리로 정신없는 딸. Toi, on va dire que t'es mon Pokémon. Victoria, tu me donnes ton linge sale? C'est tout? 단 둘만 사는 이 집에서 언제까지 아빠의 눈을 피할 순 없었죠. Qu'est-ce que t'as fait là-dedans? C'est quoi ça? C'est le monsieur qui me l'a donné. Quel monsieur? Le monsieur du refuge, là, quand on s'était perdu. Regarde, papa, il est trop mignon. Il a dit que c'était un cadeau de la forêt. Il a dit qu'il lui fallait un maître au cœur pur, comme les Pokémon. Bienvenue dans la famille Dutel. Ouais, merci, papa. 딸의 입을 열게 한 미스테리를 새로운 가족으로 맞이하는 아빠. Merci, papa. 이상하리만치 몸집이 빨리 커지는 미스테리는 마치 껌딱지처럼
빅토리아와 떨어지지 않으려 했죠. 아, 아, et moi un bisou quand même. Là, dis donc, il est craintif, hein? Ouais. Attends. Voilà. Tu vois, il est toujours un peu agité le matin, je sais pas pourquoi. Et il t'a dit ce que c'était comme race? Non, mais je crois que c'est un petit chien de berger, ça. Enfin, j'y connais pas grand-chose, moi. Il a des grosses pattes quand même, hein? Ah ouais? Ah bah oui, c'est vrai que tu t'y connais, toi. Comme ça, je pourrais le regarder et on lui fera son carnet. Tiens, c'est là. Ok. Salut. Et quand tu dis grosses pattes, ça veut dire berger, mais allemand? Passe, on en parlera. 궁금한 미스테리의 정체는 조카가 밝아졌다는 소식을 듣고 한 걸음에 달려온 빅토리아의 외삼촌이 밝혀줍니다. Ah non non, bon, les Saint Bernard, c'est beaucoup plus trapu. C'est quoi comme race, tu crois toi? Ça, c'est un husky, ça. Mais quoi? Un husky, tu sais, c'est les petits chiens de traîneau. Ah mais oui. Putain mais oui, un chien de traîneau. 아침마다 하울링을 하는 듯한 모습이. 이제 이해가 간 아빠 스테파는 얼마 전 학교에서 봤던 그 여자를 다시 보게 되죠. Un husky, un petit chien de traîneau. C'est vraiment un vétérinaire qui t'a dit que c'était un husky? Oui, enfin c'est pas un veto, c'est un pote qui connaît. Ah oui, voilà, voilà. Oui, oui. Ouais, parce qu'on est d'accord, c'est pas un husky, ça. Ah oui? Et tu dirais que c'est quoi, toi? Je vais pas te dire de conneries, mais... Viens là, toi, viens. Viens te voir. Bon, c'est sûrement pas un chien. Et si c'est pas un chien... C'est forcément un loup. Un loup? Non, c'est pas possible. Il faut faire des examens, mais ça se voit. Non, non, je vis avec. Je t'assure. Je m'en serais rendu compte. 말은 그렇게 했지만 그냥 흘려듣긴 어려운 말이었죠. Allez, s'il te plaît, papa. Tu vois bien qu'il peut pas dormir sans moi. Un mystère. ...과 가까워지자 하울링을 크게 하며 정신없이 뛰어간 미스테르를 찾아다니다. 미스테르와 꼭 닮았지만 그보다 훨씬 큰 동물을 보게 되죠. 미더야, recule doucement. Recule doucement. 금방이라도 뛰어들 듯한 놈에게서 뒷걸음질치던 그때 마치 빅토리아를 지키려는 듯 앞을 막아선 미스테르. 한참을 응시한 뒤 동족임을 확인한 듯 돌아서는 회색 늑대의 반응에서 그녀의 말이 사실임을 알게 되는 아빠. 아, husky. Tu vendeur de bagnole, hein? Non, husky. Bon. Mais c'est un loup gris, pure race. Il y a aucun doute. Vous n'allez pas pouvoir le garder, Stéphane. Il n'y a pas le choix, Stéphane, faut le faire placer dans une réserve. Bon, il y a un parc dans les Vosges. Tiens, je les appelle comme ça. On va voir s'ils ont de la place. 알아서 기관을 보내겠다는 약속을 한 뒤 집으로 돌아온 스테판. Qu'est-ce que tu fais, papa? Voilà, voilà. Comme ça, lui, il sera en sécurité. 딸과 헤어지게 할 수 없었던 미스테리의 집을 창고에 마련했지만 이 지역 양치기들이 늑대들을 얼마나 경계하는지 아직 모르고 있었죠. 에. Il est sûrement un solitaire. Je crois qu'il est toujours dans le coin. En tout cas, il touchera pas mes bêtes. Pas une seconde fois. Faut que je les rentre. Chut. Faut pas faire de bruit, Mystère. T'inquiète pas. Il faut y aller, on est en retard. Allez. Tu fermes. 학교의 축제날 텅 빈 집을 찾아온 양치기들은 미스테르가 늑대란 걸 한눈에 알아봅니다. C'est un loup, ça, regarde. Je suis au salin chez Dutel. Je me rappelle.
귀를 막고 입을 닫았지만 이전처럼 오래 가진 않았죠. Effectuer des tirs sur les loups, ça représente de vrais risques. S'il est tué, la meute se désorganise et les attaques, au lieu de se restreindre, s'amplifient. Bonjour. Je suis venu avec ma fille pour l'aider à comprendre ce qui se passe ici. La petite, elle pense que le loup n'est pas dangereux pour l'homme. On ne peut pas affirmer que le loup soit un danger direct pour l'homme. Non, on doit protéger les troupeaux, ça c'est certain. Mais le loup est là, donc il faut aussi qu'on apprenne à vivre avec lui. On n'en veut pas du loup. J'ai eu 10 attaques l'année dernière. Fais comment, moi ? En cas d'attaque, t'es indemnisé, Jean-Paul. Mais je m'en fous d'être indemnisé, putain, merde ! J'aime mes bêtes, moi ! Oh, vous comprenez ça ? L'État a voulu le retour du loup. Eh ben, c'est à vous d'assumer, hein, et d'agir. Sinon, nous, on prend les fusils. C'est clair ? 국립공원에서 뛰어놀고 있을 미스테르가 보고 싶었지만 복잡한 어른들의 사정도 어렴풋이 이해한 빅토리아는 Toilette. 다시 말을 하기 시작했고 두 달 뒤 늘 배웅을 나왔던 학교 정문으로 미스테르 기억을 더듬어 자신을 찾아온 미스테르를 보게 되죠. 양치기 아저씨에게 들킬까봐 12월의 높은 산을 계속해서 올라가는 빅토리아. T'as pas eu mes messages? Le mystère s'est enfui de la réserve. Quoi? Elle est où, Victoria? À l'école, elle a été collée aujourd'hui. Pourquoi? Non, mais parce qu'il va sûrement essayer de la retrouver. Il risque de revenir. Bah, loup adulte, c'est capable de faire des centaines de kilomètres pour retrouver sa meute. Et sa meute, c'est elle, donc... C'est d'armée. Attends, c'est d'armée de... Allô? Attendez, j'entends rien. Allô? 학교 근처에 산으로 올라 빅토리아! 어디를 찾아야 할지 막막해하던 스테판을 미스테르가 기다리고 있었죠. Attends. Victoria, réponds-moi. 차가 있는 곳까진 너무 멀다는 자신의 생각을 읽은 듯 빅토리아를 처음 봤던 그 오두막으로 둘을 이끈 뒤 집안으로 들어가는 모습을 확인하는 미스테르. 아텐션, c'est chaud. Marcher dans la montagne comme ça avec ce froid. Moi rien qu'en venant en voiture, j'ai eu un point de côté. Je voulais sauver Mister. Je voulais mettre Mister en sécurité. Continue, je te rejoins. OK. Je sais qu'il va revenir me voir. J'en suis sûre. Oh, Mister, non, c'est toi. Non, attends. Vraiment là, vraiment, je suis désolé, je pouvais pas la voir. Il y avait ma fille. Allez, à trois. Non, un, Mister. Deux, trois. Mon papa va te sauver. T'inquiète pas, il va le sauver. Il est sauvé? Vraiment? Ouais, t'es le meilleur chirurgien du monde, papa! Mister! 봄이 오고 미세하게 남은 실밥 자국마저 사라졌을 때 안나 아줌마가 찾아오죠. Stéphane! J'ai eu l'autorisation de la préfecture. Regarde, je peux l'emmener de l'autre côté de la vallée de l'Impramou. Et les éleveurs t'ont laissé faire, c'est fou. Bah, ils savent que c'est dans leur intérêt et celui de leur troupeau. Et la petite? Très bien, hein, la cicatrice, elle est toute jolie, toute propre. Il marche et commence même à courir, comme avant. Tu sais que tu serais une grande vétérinaire, toi. Et toi, t'es prête? Oui. 늑대들의 천국, 인프라마 계곡에서 작별을 준비하는 둘. Tu sais, tu peux pas vivre avec les hommes. Tu comprends? T'inquiète pas, je t'oublierai jamais.
Mister, il est temps de partir. Victoria, regarde, ils arrivent. 20 ans, Mister, va rejoindre ta famille. 뒤를 돌아 빅토리아의 얼굴을 한참을 바라본 뒤 새로운 가족들과 함께 서론의 야생을 달리는 미스테르. 그렇게 실제 인물 빅토리아의 품에서 자란 미스테르가 지금도 종종 산을 내려와 아기처럼 군다는 사실을 자막으로 알려주며 영화는 끝이 납니다. 영화는 개인 줄 알고 길렀던 늑대를 자연으로 돌려보낸 뒤 그 늑대와 지금도 우정을 유지하고 있는 프랑스 소녀 빅토리아의 실제 이야기, 2021년작 비키와 그녀의 미스테리입니다. 인간과 가장 가까운 친구인 개와 소통하여 서로 의지하고 상처를 치유받는 이야기는 많지만 개와 너무 비슷하고 또 너무 다르기도 한 늑대와 소통하고 교감한 이야기는 결코 흔하지 않습니다. 높은 자긍심으로 쉽게 길들여지지 않는 회색 늑대 7마리와 친구처럼 지내며 오랜 기간 촬영해 프랑스의 멋진 경치와 함께 펼쳐놓은 실화 영화 비키와 그녀의 미스테리. 재밌게 보셨다면 항상 여러분이 힐링할 수 있는 최고의 친구가 되고 싶은 저희에게 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리며 이상 리뷰마스였습니다.